저기요. 이상한 사람을 만나고 있는 것 같은데. 팀장님, 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. 뭐야? Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinéfeuse, en Cinéfeuse mini, en plein été, que je fais avec Fabien. Bonjour Fabien. Salut Romain, bonjour à tous. Ça va? Tu profites des vacances? Non, je travaille. En plus, je pose la question alors que je sais que tu travailles. Je travaille. C'est très sadique. Sous ce soleil de plomb. Oui, c'est ça. Alors, on a décidé de parler d'un... On voulait revenir sur un long métrage. Alors, ce n'est pas un des blockbusters de l'été, on va dire le blockbuster américain. On ne va pas revenir sur Suicide Squad ou Star Trek, etc. Peut-être qu'on en reviendra plus tard, mais pas maintenant. On a décidé de revenir, de faire une mini-critique sur un film qui s'appelle Train to Busan. Le dernier train pour Busan. Voilà, en français, qui est un film coréen, le troisième film coréen qui sort là en moins de 2-3 mois. Et ça va être le quatrième avec Park Chan-wook en septembre. On a une super année coréenne. On a une grosse année coréenne, film qui dépassait un Cannes hors sélection. Film de zombies, donc des zombies dans un train, comme dirait Samuel Jackson. des zombies dans un train, c'est un peu ça, dans un TGV coréen. Et on voulait en parler parce que déjà le film bat des records en Corée, il va sûrement peut-être arriver à un des films les plus vus de tous les temps là-bas. En tout cas, il est en passe de devenir un gros succès, un gros phénomène. Et en plus, il est très très bien perçu. Il aura une très bonne distribution pour un film coréen en France, ouais. Ce qui est rare, ce ne sera pas quelques salles. Et donc, il y a pas mal de pubs. Et en plus, il se trouve que les Américains et même les Français s'arrachent les droits pour faire un remake. Donc, même les Français se mettent à se dire on va faire un film dans un train avec des zombies. Donc, comme quoi. Ouais. Tout est possible. Nous allons vous faire aimer le train. Voilà. Donc, on va un petit peu parler du film. Donc, déjà, l'histoire, est-ce que tu veux deux petits mots sur l'histoire, peut-être? Oui, alors, donc, en fait, on suit un jeune cadre, je ne sais pas, trentaine, quarantaine, qui doit ramener sa fille à Busan, chez sa mère, parce qu'il est séparé de sa femme. Et du coup, ils prennent un train et pile au moment où le train quitte le quai, il y a une épidémie de zombies qui se propage. Et donc, malheureusement, il y a un des zombies qui monte dans le train et qui contamine tous les wagons les uns après les autres. Ouais, donc c'est une sorte de huis clos allié à une course contre la montre aussi, parce que l'idée est de rallier Busan qui est... l'une des deuxièmes grosses villes de Corée du Sud et qui est censée être la zone en quarantaine. Voilà, qui est encore préservée, ouais, tout à fait. Ouais, alors ce qui est intéressant avec ce film, donc, c'est qu'il est réalisé par Yoon Sang-ho. Voilà, exactement, qui est un peu l'un des rangs des réalisateurs qui émergent en Corée. C'est un peu l'un des nouveaux mecs à suivre, avec Na Eun-jin notamment, avec d'autres gens comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il s'est fait connaître, c'est un réalisateur d'animation. Il s'est fait connaître avec un film qui s'appelait King of Pigs, ouais. Qui était un film vraiment à tout petit budget. Alors, film d'animation, petit budget. On est loin de Wonderful Days ou des films comme ça. C'est-à-dire des films avec très peu d'animation. King of Pigs, c'était vraiment... Tu sentais vraiment le tout petit budget, mais c'était un film très, très dur, très violent. C'est des films très avec vraiment un sens social assez... Films sociaux. Assez poussés. Et donc, King of Pigs, déjà très, très violent, qui était sur les... sur le harcèlement en milieu scolaire, etc. Mmh. Un truc qui est quand même assez connu en Corée, qui arrive souvent. Ensuite, il a fait The Fake, qui n'est pas sorti en France, si je ne me trompe pas. Encore un film d'animation, un peu plus du budget, mais ça restait un film indépendant d'animation. Film totalement hallucinant aussi, un de ses meilleurs pour moi, qui est un film très très dur, où tu suis une espèce de, déjà d'un mec qui frappe sa fille, un espèce de taré, mais qui veut absolument prouver à son village qu'en fait, les mecs qui sont venus dans leur village sont en train de les arnaquer parce que c'est par rapport à la religion qui arrive dans les villages coréens. Et c'est un film assez fort, assez vraiment excellent, et c'est un peu la consécration par rapport à ce qu'il avait fait. Juste après, il a fait un moyen métrage qui s'appelle Seoul Station, qui donc du coup se passe dans le même univers que Train to Busan. En fait Seoul Station donc raconte justement comment cette épidémie de zombies se passe, quoi. Et en fait, il a tourné Train to Busan en assurant la post-prod de Seoul Station. Ouais, et en fait, Train to Busan est la suite de Seoul Station, sauf que elle est sortie avant. C'est ça, c'est la suite, et l'autre film n'est toujours pas sorti. Il est passé dans quelques festivals internationaux, mais c'est tout. Je pense qu'on l'aura sûrement en DVD ou un truc comme ça. Peut-être à l'étrange festival, il faut. Oui, voilà, oui, peut-être. Checker ça. Voilà. Et donc voilà, vient son premier film live. C'est un peu comme Brad Bird. Tout à fait. Même profil. C'est un peu un profil similaire, surtout qu'on sent
voilà, son sens de l'animation, enfin du rythme et de l'animation et des effets visuels, parce que c'est quand même un film avec beaucoup d'effets visuels. Mmh. Moi, ce qui m'a marqué, donc c'est un film qu'on a tous les deux bien aimé, même beaucoup adoré, aimé. Adoré, ouais. Ce film. Philippe l'a aussi vu, je peux aussi un peu dire ce qu'il en a pensé. Je pense qu'il a aussi beaucoup aimé le film, mais il avait quelques réserves sur la fin. En fait, le truc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai blockbuster. Ouais. Et moi, j'ai presque envie de dire que c'est un peu le blockbuster de l'été, en fait, à voir. Je suis d'accord. Sauf qu'il est coréen. Mais quand je dis blockbuster, c'est que c'est vraiment un divertissement familial. Il y a vraiment cette idée de père qui doit défendre sa fille, qui va peu à peu reconquérir sa fille, parce que c'est un salaryman, etc. On est dans un archétype très classique du film catastrophe. Voilà, hein. Et vous avez, oui, bah, d'ailleurs, vous avez à peu près les mêmes figures que vous pourriez avoir chez un Roland Emmerich, ouais, voilà. Mais version coréenne. Par exemple, vous avez le bon patriote coréen, qui est un peu l'image qu'on se donne en Corée du coréen, c'est-à-dire un mec un peu bourru qui défend sa femme qui est enceinte, qui frappe, qui est contre les mecs qui ont de l'argent, etc. Vraiment le profil type du héros. Le chef de la compagnie qui est forcément un enfoiré, etc. Qui serait prêt à tuer père et mère et tous ses employés pour survivre. Etc. Ouais. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que comme il a fait quand même des films assez radicaux avant, notamment au niveau du social, où vraiment on montrait la pourriture, vraiment une espèce de contamination de chaque couche de société, là, le train lui permet de revenir sur une idée un peu sociale de chaque couche de la société. On est dans un microcosme. Voilà, aux zombies, encore une fois, les zombies sont qu'une espèce d'excuse pour montrer comment les gens peuvent se démerder ou s'entretuer pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même le deuxième film coréen en 3 ans avec un train quand même. Ouais, Snowpiercer, qui était aussi une parabole. C'est vrai. Et il arrive à trouver d'autres choses que Snowpiercer n'avait pas trouvé. Tout à fait. En termes de visuel et d'idées. Gestion de l'espace qui est assez hallucinante. Enfin, il y a cette séquence effectivement où tu vois les mecs qui vont se bastonner à 3 contre les zombies, qui est une séquence hallucinante où vous avez une autre scène où ils utilisent les ranges bagages pour circuler, se lâcher, ouais. Pour circuler au-dessus des zombies. Une espèce de phase d'infiltration, ouais. Il y a un côté très ludique qui se rapproche beaucoup du jeu vidéo. Exactement. Et on se dit, je pense qu'un mec de jeu vidéo doit se dire, mais putain, mais c'est trop bien, il faut absolument le faire en jeu. Même d'ailleurs, je pense que ça a un peu été fait en jeu. Moi, je me rappelle de séquences dans des trains, Uncharted, plein d'autres trucs comme ça, d'infiltration. Et on retrouve un peu cet esprit-là, cette inventivité, en fait. Bah, c'est ça, ce qui fait plaisir, c'est qu'à la fois, il y a effectivement le spectacle familial, comme tu l'as dit, mais en même temps, on reste dans le pur film conceptuel du début jusqu'à la fin, quoi. Mmh. C'est ça qui fait plaisir. Comment tu allies le film de catastrophe, moi je pensais un peu à Speed par moment, avec un concept d'un véhicule toujours en mouvement qui ne doit jamais s'arrêter, et dedans tu balances des zombies à la Danny Boyle qui n'arrête pas de se contaminer, qui se bouffe entre eux. Oui, en plus, c'est là où on voit qu'il va bien de l'animation, parce qu'il il s'est vachement intéressé aux détails des zombies, c'est-à-dire à la désarticulation des membres, donc on sent que le mec sait manier un peu un rapport au physique et au... Et voilà, l'animation d'un corps, quoi, justement. Et donc, les mecs sont vraiment démembrés, etc. On les voit se relever. Ça, c'est assez impressionnant de les voir comme ça. Je sais pas trop comment ils ont fait les effets. D'après moi, ils ont inversé les images. Enfin, c'est très bizarre et ça marche très bien. Pour moi, il fait des choses que World War Z s'était complètement planté, notamment l'espèce d'empilement de chair humaine, comme ça, qui était trop abusé dans World War Z. Là, on y arrive parce qu'on reste à un niveau humain et extrêmement contrôlé, en fait. Ouais, alors c'est ça qui est marrant pour les gens qui ont vu les autres films coréens qui sortent, même les Park Chan-wook, etc. Là, on est vraiment dans un blockbuster. Et généralement, les blockbusters coréens sont assez durs à regarder. Moi, j'ai beaucoup de mal. Enfin, c'est souvent les trucs qu'on a le plus de mal à regarder parce qu'ils manquent d'auteur, en fait, et ils obéissent à des carcans un peu larmoyants. C'est vrai. C'est un peu tire-larme, c'est un peu, etc. C'est vrai qu'on est là dans le pendant blockbuster du film coréen auquel on est finalement assez peu habitué. Assez en peu France, habitué, ouais. Puisqu'on a toujours eu la phase auteur radicale. Et là, c'est vrai que ça change un petit peu. Mais c'est un blockbuster avec ce côté larmoyant, mais qui, pour une fois, et ça doit être dû au fait d'avoir ce réel d'animation derrière. Qui respecte le cahier des charges du blockbuster familial, entre guillemets, parce que ça reste un film pas très très gore, etc., mais qui a sa petite radicalisation, qui a son petit truc en plus, qui fait que tu prends quand même plaisir et t'es beaucoup moins bloqué que dans certains autres films avec des tsunamis qui ravagent la Corée, qu'on a vu 500 fois et qui sont beaucoup plus durs à regarder. Il y a ça, et puis même, moi personnellement, je sais que je suis un peu fatigué des films de zombies qui ne font que singer... Romero, ou alors qui veulent faire comme Danny Boyle. Finalement, le dernier film de zombies, le dernier grand film de zombies, c'est quoi?
c'est 28 semaines plus tard. Depuis, on n'a rien eu de vraiment. C'est vrai qu'on a l'impression que la... Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que je trouve avec ce film qu'ils arrivent à trouver des nouvelles idées sur les zombies. Exactement. Et je me dis, c'est fou qu'ils arrivent à retrouver des... Il y a des nouvelles idées là-dedans qu'on se dit, ah merde, putain, on n'y avait pas pensé avant. Exactement. Et c'est ne serait-ce que la façon dont ils se protègent pour pas se faire mordre. C'est génial. Pour arriver. Ouais, il y a plein de petites idées. Vraiment excellent. Et puis les humains sont pas teubés dans ce film-là. Les mecs trouvent des solutions pratiques pour dire ah bah oui, finalement, ouais, on pourrait le faire. Ouais, tu te protèges le cou, tu te protèges les poignets, tout ça. Tu y vas à coup de batte de baseball. Ouais, ça peut fonctionner. Ça peut vraiment fonctionner. N'importe qui a pris un TGV et se dit toujours ah bah si tu faisais une séquence d'action, comment tu la gérerais ici et tout. Et là, t'as vraiment un travail de comment on gère là-dessus, comment on se cache, où on se met, etc. Et surtout, le mec lâche pas le concept du train jusqu'à la fin du film. On reste vraiment dans l'idée de train jusqu'à la toute fin du film. On n'est pas là à lâcher le truc à moitié. Non, on reste vraiment dans l'association train plus zombie du début jusqu'à la fin. Et en plus, les acteurs sont bien, quoi. L'acteur qui joue effectivement le mec un peu bourru, master et tout ça, ce mec là c'est un des meilleurs persos du film, c'est un perso, non, en plus ils osent faire de l'iconique et de l'action dans un film de zombies, alors que chez nous c'est devenu un petit peu rare, tu vois. Oui, bah en fait on part tout de suite dans le côté radical, violent, film de genre, et là ça reste un blockbuster, mais il y a que les Coréens pour réussir à être un peu subversif, un peu gore mais pas trop, un peu truc et pas trop, et réussir. En France, c'est pour ça que c'est marrant que les Français veulent en faire un remake, parce que je me dis les mecs vont flipper à la première image de zombie avec du sang, c'est ça, et donc je me dis que ça va être bizarre, en plus dans un TGV, bon, on va voir, hein, dans un Thalys peut-être, ou un Eurostar, je sais pas, ou un Eurostar, oui, je sens le truc comme ça, hein. Mais en tout cas là c'est efficace, effectivement on sent ce même truc de Brad Bird, de dire tiens, ce mec qui j'ai fait un peu tomber le micro, c'est pas grave, c'est ce mec qui vient de l'animation et qui connaît le prix de chaque image et il veut te faire le truc le plus rythmé, le plus limpide possible. C'est dingue de voir ces mecs de l'animation qui ont une maîtrise totale de la mise en scène, parce qu'ils savent le prix, le poids de chaque image. Alors du coup on n'a pas vu Seoul Station, mais apparemment beaucoup de gens qui l'ont vu disent que c'est son meilleur. Ouais pareil, c'est très très bien, et apparemment il a presque lui dit que c'est son film là, son premier film là, était presque un peu des vacances par rapport à son film d'animation d'avant, puisque en fait c'est des films d'animation lui prennent énormément de temps et ça reste un réalisateur d'animation. D'ailleurs il a une des rares boîtes d'animation qui crée des longs métrages d'animation en Corée et qui va produire des nouveaux films d'animation d'autres gens, donc il reste quand même encore dans ce cycle indépendant. Mais bon, avec le succès de ce film, je pense qu'on va lui demander forcément de repartir dans le live, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Bah, des films de vacances comme ça, moi je veux bien en voir tous les jours. Hein. Ouais, c'est clair, c'est un film pour t'amuser. On a le même plaisir quand on voit Mission Impossible 4, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, je pensais vraiment à Mission Impossible 4, ouais, avec ses mises en scène assez incroyables, ses situations complètement qui s'enchaînent et qui s'arrêtent plus en fait. Et c'est vraiment, vraiment très réjouissant. Enfin, moi je trouvais que le film était vraiment, vraiment génial, quoi. J'ai pas trop d'arguments spécifiques parce que j'ai pas envie de gâcher le plaisir aux gens qui vont aller le voir, et en même temps c'est vraiment un très très bon film de genre. Oui, clairement. Moi c'est ce que j'ai, mais en fait j'ai envie de dire aux gens qui évitent le cinéma coréen en le voyant comme quelque chose de radical ou de trop auteur, allez-y, parce que vous allez voir c'est un vrai blockbuster, et c'est plus comme aller voir Jurassic Park avec ses enfants. Ou Jurassic World, mais en mieux. Non, bien. En beaucoup mieux. Non, bien. Et pour les gens qui aiment bien ce cinéma coréen, je leur dis attention, parce que si vous avez jamais vu de film coréen, vous allez peut-être avoir des codes que vous allez voir et qui vont vous sembler très naïfs ou très des archétypes du film catastrophe, quoi. Qui peuvent parfois vous, qui sont très balisés, ouais, qui sont un peu balisés, mais qu'il arrive à faire sans en obtenant autre chose derrière, quoi. Exactement. Voilà, c'est parce qu'il a un super concept. Oui, c'est ça. Honnêtement, moi j'adore ce film, enfin je trouve que c'est vraiment le blockbuster de l'été. On a un été catastrophique et vraiment il faut absolument voir ce film. Je suis d'accord. Parce que si vous voulez voir, en plus là, en tout cas pour Paris, il sort dans quelques grandes salles, on va dire. Donc si vous pouvez l'avoir sur Paris, mais en tout cas ça vaut le coup du déplacement, je pense, parce que vous avez un vrai plaisir et vous dites enfin un film, un blockbuster. Parce que tu viens quand même l'été, c'est quand même ça, il fait chaud, tu veux voir un blockbuster, tu veux voir un truc cool, quoi. Et là c'est vraiment un truc qui te fait plaisir. Et cette fois-ci c'était difficile d'en trouver. Mais c'est pour ça que là, la solution vient de la Corée du Sud. Ouais, comme souvent. Comme souvent. Bon, merci Fabien d'avoir évoqué. T'as écrit un article d'ailleurs dessus, donc j'ai écrit 4 pages dans,
dans l'écran fantastique où je déploie tout mon amour pour ce film, où je le décortique. Ça n'a pas été facile parce que quand tu dis sur 4 pages que tu aimes le film, il faut trouver des arguments. Il faut trouver des arguments, etc. Pour développer. Voilà. Non, mais franchement, film excellent. Vraiment très très bon, dernier train pour Busan. Voilà, ouais, bah, vas-y, foncez-y. J'allais dire, prenez votre ticket. Et bravo à, bravo à RP Distribution, RP Sélection, pardon, pour sortir le film comme ça de manière aussi massive. J'espère que ça va aller, qu'ils seront récompensés, ouais, et que les gens vont filer voir ça, surtout vu les déceptions des blockbusters en ce moment. Ouais. J'espère que ça va être la contre-programmation. En tout cas, c'est très intelligent de l'avoir fait. Il ne pouvait pas tomber mieux. Ah non, c'est l'antidote, quoi. Ouais, c'est vraiment l'antidote parfait. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, bah allez-y, et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, et nous on revient bientôt pour des nouvelles émissions de toutes les émissions, sûrement un nouveau dans le rétro, ce genre de choses. Ouais, ouais. Voilà. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Bye bye.